Vous représentez le Parti québécois dans cette course. Pour vous, M. Hébert, c'est la question que j'ai posée à tout le monde pour entamer la table ronde. Quel est l'enjeu majeur, là, le premier dossier auquel vous vous attaqueriez si vous étiez élu? Ben écoutez, pour moi, c'est là. Il y a l'autre bout de la ligne. Ben il faut insister sur la prévention, la promotion de saines habitudes de vie, parce que si on continue à mal s'alimenter, si on continue à ne pas faire d'activité physique, ben on va avoir une population qui va avoir de plus en plus d'obésité, de diabète, de maladies cardiaques. Il faut absolument donc prioriser l'activité physique et prioriser la saine alimentation et lutter contre la malbouffe. Mais on fait pas déjà de la prévention. Il y a des programmes de prévention qui ont été mis de l'avant. Pour vous, qu'est-ce que vous feriez de plus? Ben écoutez, les programmes de prévention qui ont été mis de l'avant n'ont jamais été vraiment priorisés. Alors, il faut vraiment lutter contre la malbouffe, que ce soit par des mesures fiscales pour faire en sorte que les produits qui sont nocifs pour l'alimentation puissent avoir des avantages au niveau économique et qu'on puisse choisir des aliments qui sont sains pour la santé. Et au niveau de l'activité physique, il faut insister là-dessus à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Nous avons annoncé un crédit d'impôt de 500 $ par enfant qui participe à des sports. Ça, c'est des mesures concrètes qui vont permettre à des enfants d'avoir de saines habitudes de vie, de pratiquer un sport, et nous allons travailler également avec les employeurs et avec la Commission de santé et sécurité du travail pour implanter dans les entreprises des programmes d'activité physique, et ça va avoir un effet direct sur la baisse de l'absentéisme et sur l'amélioration de la productivité et la diminution des maladies chroniques chez les personnes qui travaillent en entreprise. Ça va? Hey, c'est toi? Ah oui? Je pense. Non, mais des belles petites fesses, hein, vous? Tu sors pas de la chaîne, mange tes whippettes, la grosse. Ah ouais! C'est le même, ça marche, là. Oui, il y en a, là, c'est... Claude, ça va-tu bien, ses affaires? Ah oh, oui, ça va bien, j'ai vu sa femme. Une torche!